les copains. On est sur la route, du coup. Vous voyez, on est sur le pont de Lille. Et du coup, c'est l'anniversaire à Jojo de l'équipage en vadrouille. Qui va chez Laurent de l'Odyssée. C'est une surprise. Donc, on y va aussi. Alors, on reprend là-haut. Ciao. Bon, on vient d'arriver chez Lolo. Oui. Pour l'anniversaire à Jojo. Jojo l'Odyssée. Jojo l'Odyssée. Et sans déconner, il nous vend du rêve avec son missile, lui. Bah, ouais, on a quitté l'île de Ré, les terrasses, le soleil. Regardez. Ouais. On peut m'expliquer là, s'il vous plaît, ou quoi? J'étais sur une terrasse en train de boire mon café ce matin. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, heureusement qu'on est bien au chaud quand même. C'est la bite mobile. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la bite mobile. Il a pas eu le temps de souffler. Voilà. Ce soir, c'est Boris, c'est soirée. Disco. T'as des baskets, tu rentres pas. On lance le live. Ouais, on met une dose. Salut les amis. Bon, on est sur notre spot. Regardez. Il a super neigé, il a bien neigé, on va dire. Ça tient pas forcément des masses, mais c'est joli. Ah. Regardez ça. Eh ben salut tout le monde. Salut les copains. Bon, et ben nous voilà sur un nouveau spot qu'on vous montrera après, en pays BZH. On vous emmène en Bretagne pour notre nouvelle vidéo. Ouais, donc là on est posé là, vous voyez le camion, hein, avec hop, le fiston qui est là-bas, hop, les chiens hein, forcément, et les copains ici, bref. Pas mal de monde, on n'est pas trop fun, mais bon, pour ce soir ça ira bien. Donc on vient d'arriver. Ouais. Donc ce soir c'est une petite soirée tranquille. Et puis à partir de demain on attaque. Ouais, ouais. Donc bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Petite dédicace. Dans cette vidéo, vous n'échapperez pas au bon de début de phrase de monsieur. Ouais. Pour info, il n'y aura pas de scène sous la douche par rapport à ce qu'on m'a demandé. 4 offices de tourisme sera bien présente. Et vous ne pourrez pas y échapper non plus. Je vais papoter. 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 Mmh. À demain. Allez, salut tout le monde, bon visionnage. Ouais, petite balade digestive quand même. Pas du tout là, mais juste là, vous allez voir, on va vous y emmener.
classe, il est pas classe. Avec le petit bardage tout en bois. Pas classe. Bon bah, coucou les copains. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, on vous emmène à la pointe du Groin. Voilà, on vous fait une petite visite d'un lieu fantastique. On vous laisse découvrir par vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a de marqué ? Les gars de Buzot vengeront leurs camarades morts martyrs. Vive le duc d'Alembert. Il n'y a pas de date, c'est dommage. Ici. Ah, vous voyez ? Ah bah les boches. Ouais, bon, on se doute après de la date, quoi. C'est dommage, regarde là, je sais pas si vous voyez bien, il y a un plongeur. Là. On le voit, on le suit, ouais. Avec le zoom, ça fait super bien, mais bon. Ouais, c'est pas pêcheur. Hein. Tiens, regarde. C'est super beau. Regardez-moi tout ça, c'est magnifique. Il y a une flore absolument extraordinaire ici, des couleurs magnifiques. La mer en fond. Regardez-moi cette vue. Absolument superbe. Je vous fais partager ce moment-là. C'est vraiment un endroit superbe. Alors là-bas, vous avez la pointe. Énormément de monde. Donc je vais rester sur ces images-là. Je ne vais pas vous emmener jusqu'au bout. Il y a énormément de monde. Voilà. Ce n'est pas l'intérêt de filmer tout ce public-là. Hein. Je vous le montre vite fait comme ça. Mais c'est vraiment un endroit absolument superbe que je vous conseille fortement. Bon, on est où maintenant? On est à Cancale. Cancale.
Ouais, tu vois. Bon, faut pas être sujet au vertige. Bon, qui nom de sympa. Le tape cul. C'est pour moi ça. Ouais. Ma petite huître. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous venez ici acheter directement un plateau et vous installez ensuite au bord de l'eau et déguster tranquillement votre petit plateau d'huîtres en bord de mer. D'ailleurs, on va vous montrer, si vous regardez en bas de la jetée, vous allez voir toutes les coquilles d'huîtres que les gens laissent, c'est une tradition. Donc les fameuses coquilles. Bon là, ça a été nettoyé. Bon là c'est dommage, vous ne voyez pas, mais tout au bout, ici, vous voyez l'ombre du Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel est vraiment très visible depuis Cancale. Bon, aujourd'hui pas de chance, c'est un peu brumeux, mais normalement vous avez une vue du Mont Saint-Michel, pardon, depuis Cancale. Tout au bout là-bas. Voilà. Bon, petite vue sympathique du camion.